Réussir sa vie. Réussir sa vie, oui. Un réalisateur modérément underground. Ce film-là, par exemple, ça n'a pas été un film évident à faire. A le bonheur de recevoir la visite des personnages de ses propres films. Savez-vous qu'aujourd'hui, n'importe quel trou du cul peut faire éruption en plein plateau et venir saccager votre film? Il s'en débarrasse en leur racontant trois histoires. Sérieux? Une, deux, puis trois. Trois histoires, ouais. Trois destins sur le point de basculer. Je comptais prendre une année sabbatique pour lancer dans la photo de charme. Réussir sa vie, c'est... Il y a beaucoup de pieds au cul à cette société de merde. Un film où l'intelligence s'efface derrière l'émotion. Il n'est pas là, ce film ? Un film où l'érotisme est permanent. Un film qui est aussi une porte, un sas vers un avenir meilleur. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Au cinéma, bien sûr. Voir réussir sa vie, un film qui se propose de répondre à toutes vos questions et d'anticiper celles que vous ne vous êtes pas encore posées. L'été dernier, par exemple, j'ai pratiqué le naturisme. Et vous ? Réussir sa vie, un film qui a choisi de lui-même de sortir dans la discrétion la plus totale afin de ne pas éclabousser par sa lumière les films concurrents. Oh putain.